Bien joué, bien joué. Donc maintenant, ce que nous allons faire après cette série-là, nous allons montrer un peu le mode weapon. D'accord, alors c'est un mode, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'aimais pas trop. Voilà, on va pas trop s'attarder dessus, hein. On va aller dessus vite fait, tranquillement. Avec Snake, tiens. Ok. Pourquoi pas. Donc, est-ce qu'il y a une arme que tu affectionnes particulièrement? PSG1. Ouais, le sniper, bien sûr. Donc, on va vous montrer un petit peu le principe. Ah d'accord, c'est du tir sur des cibles, en fait. Voilà, c'est juste du tir sur des cibles. D'accord, donc, juste ça. Oui. D'accord. C'est juste ça et... Jamais sur des ennemis. Non, c'est juste des cibles. D'accord. Et en fonction de notre rapidité, hop, par exemple, si j'enchaîne, hop, j'ai un combo, et donc je gagne plus 10, 100 points. Et au bout d'un moment, tu gagnes plus 50, je crois. Donc bon, bah après, au niveau des points... Alors franchement, c'est pas un mode que j'affectionne du tout. Ouais. Après, je sais pas s'il y a des gens qui aiment ce mode, hein, c'est possible. Mais... Quand on tire sur cible... Je joue pas à Metal Gear pour faire du tir sur cible. Ouais, enfin c'est plus intéressant sur des gardes, quoi. Voilà. Donc... Sans être que... Je vais terminer ce niveau, mais... Ouais, on s'attardera. On pourra passer d'après. Après, je vous montrerai peut-être vite fait 2-3 niveaux qui sont sympathiques. Mais après, bon, je vais pas, franchement pas m'attarder dessus comme on a fait sur le mode sneaking. Bon, pour les gens, intéressant. Bon, pour les gens qui aiment la précision, à la limite, bon, ouais. Mais voilà, bon. Comme vous pouvez le constater, il faut essayer de trouver l'angle pour la dernière cible. On va dire que c'est amusant, mais à regarder, c'est pas... C'est pas folichon, hein. Voilà. Donc, pour le moment, je vais garder mes commandes juste pour vous montrer les niveaux qui m'intéressent, ouais. Qui sont assez intéressants. Je me souviens du niveau 5 en sniper qui a un côté assez amusant, c'est que voilà, c'est des bâtiments. Pas mal. C'est sympa ça. Voilà. Petit bâtiment comme ça. Et il y a quand même je sais plus dans quelle difficulté, mais il y a quand même un truc qui m'a fait péter un câble. C'est que j'arrivais plus à trouver les cibles au bout d'un moment. Alors, cette cible orange là, si je tire dessus, elle explose. Donc, grâce à ça, je peux faire des combos assez assez gros build. Et là, regardez, on a une cible rouge. Si je tire dessus, hop, je perds 2000 points. D'accord. Donc, il faut pas tirer sur les cibles rouges. Ce niveau, je vais pas le finir. C'est juste pour vous montrer. Autre chose que je peux vous montrer, non, pas le Stinger, le Nikita. Le niveau 5 du Nikita, par exemple. Alors, regardez. Ça aurait été marrant de faire ça, mais sur des gardes, de tirer sur eux. Donc voilà, donc, alors, les cibles rouges qu'il faut surtout pas exploser. Donc ce niveau, c'est le bordel, c'est l'anarchie totale. D'accord. Donc il faut que j'essaie d'atteindre la seule et unique cible que je dois détruire dans ce niveau. En sachant qu'il y a une barre d'essence avec le Nikita, donc j'ai intérêt à me manier. Faut pas que je me prenne les murs, faut que je me serve des hauteurs pour remonter ou redescendre. Bon, ce niveau, c'est le bordel, c'est l'anarchie. C'est amusant. C'est peut-être... Enfin, amusant, mais énervant, sûrement. À la limite, ouais, bon, c'est un petit peu énervant, mais le Nikita, c'est peut-être un truc qui remonte un petit peu le niveau de ce mode. Ça change le gameplay. Voilà. Donc là, je devrais l'atteindre sans trop de problème. Voilà. Voilà. Et... Bon, bah, en sachant que la difficulté augmente. Ah d'accord, c'est-à-dire là, avec Tuxedo Snake, tu ferais ce niveau avec le Nikita, avec Tuxedo Snake, ce serait beaucoup plus dur. Voilà, c'est de plus en plus dur. Alors après, il y a le Stinger. Non, pas le Stinger, le lance-grenade. Voilà, c'est ça qui m'a fait péter un câble. Donc je vous montre pas le niveau en question, parce que c'était le même, mais avec Tuxedo Snake, qui est beaucoup plus dur. Mais ce niveau me fait péter des duris. Celui-là, il est horrible. Il faut tirer au bon moment et au bon angle pour choper les cibles. Et d'accord. En sachant que bon là, j'ai 54 munitions, d'accord. Ouais. Mais quand j'y vais avec Tuxedo Snake, je dois avoir une trentaine de munitions. Et j'ai pas assez de munitions. Et après, tu te retrouves à la grenade. Alors, va toucher une cible à la grenade. C'est infaisable, il faut vraiment
calculer ça à la minute près. Et en sachant que t'as un temps limité assez gros bill aussi, je crois que t'as 2 minutes 30 pour tout faire. Et... ouais, ou 3 minutes à tout casser. Ouais, peut-être 3 minutes, je sais plus, mais enfin, je sais que le temps est très limité. Et bon, c'est vraiment chaud. Bon, après, handgun, assault, rifle, bon. Bah, c'est 4 claymores, ça peut être, ça a l'air sympa. Ouais, il y a peut-être un truc assez sympa. Alors attendez, je sais plus ce que c'est le niveau 5. Je sais que souvent les niveaux 5 sont assez originaux. Ah oui, c'est juste ça. Il faut mettre des mines en fait sur le. Ouais, donc en gros, c'est des cibles oranges, donc comme vous vous rappelez. Très certainement, les cibles oranges, voilà, c'est des combos, ça explose entre eux. D'accord. Après, il faut les faire exploser au bon moment, voilà. En sachant qu'il y a la petite originalité des murs. Hop, hop, voilà. Donc ce niveau, je ne vais pas vous le faire non plus, c'est juste histoire de survoler. Et il y a le no weapon aussi. Ah, donc alors là, c'est à main nue. Voilà. Donc tu frappes, tu tapes dans les cibles. Je tape dans les cibles, donc hop. D'accord. Ah oui, c'est un peu ce qu'on retrouve avec le katana. Voilà, donc il y a un peu la même chose avec le katana. Je vais vous montrer rapidement le katana aussi, d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc on peut faire des combos comme ça, en fait, si vous voulez. Ouais. Donc, hop, encore une fois, je survole. Le katana, donc le katana, bon, c'est assez sympathique, hein, mais... Non. Ouais. Voilà. Mais avec X-Raiden, tu as beaucoup de missions. Il n'y en a qu'une seule en fait. D'accord. Mais particulièrement corsée. D'ailleurs, on la fera tout à l'heure. Peut-être même tout de suite pour mettre un. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser essayer de la faire. D'accord. Et si tu réussis, tant mieux. Si tu échoues, tant pis. D'accord. On va faire comme ça. C'est assez cruel, peut-être. Non, mais enfin, de toute façon, tu verras qu'elle n'a pas spécialement d'intérêt à part la montrer comme ça. C'est pour finir le jeu à 100%, quoi. Ouais. Oh là, le mieux, c'est de faire ça. Je suis désolé. Donc là, oui, bon, le katana. Hein, c'est assez sympa d'avoir Ninja en version. Enfin, Ninja. Raiden en version Ninja. Parce que bah, dans le jeu officiel, on l'a pas, après tout. Et ouais. En plus, le katana, perso, bon, bah, c'est quand même une arme très cool. Ouais. Classe. Mis en tête, beaucoup de gens aiment les katanas. Ouais, ça c'est sûr. Et bon, le seul truc qu'ils auraient pu changer sur le perso, c'est. Enfin, il est un peu bizarre, je crois bien. Ferme les yeux, je crois. Je me souviens pas de ça, mais peut-être. Mais en tout cas, bon. Voilà, c'est assez amusant. Bon, je vais pas m'attarder dessus.